On va saluer notre adversaire connu des scènes du Kenpo International. Dans le coin bleu, monsieur David Hury. Avec moi, monsieur. Alors, vous êtes tous deux
connu de la scène internationale du Kempo. Christophe, toi tu fais ton retour ce soir en Kempo, tu as combattu récemment, tu as fait, tu t'es absenté longtemps de la scène du fight en général. Tu es revenu dernièrement en Kempo et là en Kempo, ici pour cette 6e édition de Master Kempo Can. Tu connaissais, je suppose, ton adversaire de tout voir en vidéo, de toute façon, oui. Donc mon adversaire à la dire, j'ai fait le travail. Pas comme dans les autres. Tu avais préparé justement ce combat, tu avais préparé une stratégie justement de combat. Oui, tout à fait. Donc, je pense que tout le monde s'attendait à ce plan. Donc lui, il se stratifie avec moi. Moi j'ai été seul. Donc j'ai fait ce que je devais faire. Pas comme dans les autres, malheureusement. Il était là, il était présent, donc on va dire que c'était des idées qui évoluaient. Merci. Bien. Joli. Bon, David. Ouais. Alors, je suppose que toi, ton événement, justement, ta stratégie, c'était de l'emmener au sol. Tu savais que c'était un striker, tu te préparais justement cette année en striking. Tu avais combattu en pied-point. Est-ce que c'était vraiment ton bien plan ce soir face à cette personne? Je crois que c'était une surprise pour personne. Donc tout le monde s'attendait à ce combat. Tout le monde sait que Christophe est plus fort au pied-point, qu'il envoie vraiment plus fort. Donc on le savait, que les deux, on savait le point fort, le point faible. Ce soir j'ai gagné. Ça aurait pu être très bien l'inverse, ça s'est joué vraiment à rien, parce que c'était très fort. Et je remercie d'avoir accepté ce combat. Monsieur Laron, ici présent, représentant de la Commission nationale de Kempo, vous propose officiellement que si vous désirez, eh bien il y aura une revanche. Avec une ceinture en jeu, mesdames et messieurs, il y aura une revanche et je pense que ça se passera ici à Revel. Allez, restez connectés avec nous.